La fameuse drogue des idées. Alors, si vous êtes du genre à vous réveiller tous les matins avec de nouvelles idées, vous êtes assez créatif, assez inspiré, vous prenez continuellement des initiatives et même mieux, des fois, vous êtes dans des projets pendant que vous n'avez pas encore fini de réaliser votre projet, pendant même que vous cherchez des idées pour avancer dans votre projet, de nouvelles idées vous viennent, vous passent par la tête concernant de nouveaux projets. Alors, si vous vous reconnaissez dans ces choses-là, comment vous y prendre pour pouvoir calmer finalement cette drogue des idées-là? C'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Alors restez jusqu'à la fin parce que je vais vous partager une technique assez simple, assez banale, une technique surtout très négligée par le grand public, mais je vous assure qu'il porte un grand fruit. Alors restez jusqu'à la fin pour découvrir cette clé-là, cette astuce. Bonjour à vous, je suis Coach Caps, révélateur de potentiel. Ma mission, c'est de vous aider à trouver votre voie, à vous sentir à votre place pour un maximum d'épanouissement. Mais aussi, étant quelqu'un de très passionné par le marketing, j'accompagne les indépendants et les entrepreneurs à développer leur business. Alors, comment gérer ce flux d'idées? Comment gérer ces projets interminables qui vous passent par la tête en termes d'idées? Mais avant de vous dévoiler ce qu'il vous faut pour stopper ça et pour gérer ça de la façon la plus simple et de la façon la plus idéale qui puisse l'être, sachez tout simplement que tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches à travers ma chaîne YouTube, je partage avec vous une vidéo pour devenir la version améliorée de votre propre personne. Alors si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, que ce soit votre première fois ou que ce soit plus d'une fois que vous venez sur ma chaîne mais que vous n'êtes pas encore abonné, alors arrêtez la vidéo, commencez par vous abonner et surtout n'oubliez pas, activez la cloche pour recevoir les notifications. Alors, comment gérer ce flux d'idées-là? Quand vous êtes dans un projet, pendant que vous êtes, surtout quand vous êtes multipotentiel, vous êtes assez créatif, quand vous travaillez un projet, aussitôt, il y a de nouvelles idées qui vous passent par la tête. Et tout de suite, quand une idée vous vient par la tête, la particularité de l'idée, c'est qu'à ce moment-là, on a comme l'impression que c'est la meilleure idée qui soit. On a comme l'impression que si on n'applique pas cette idée tout à l'heure, on va rater notre vie, on va passer à côté. Mais quand ça arrive, ce que vous devriez faire est aussi simple que ça. Prenez un bloc-notes, prenez un stylo et tout de suite, notez cette nouvelle idée qui vous passe par la tête et mettez cette note à côté et dites-vous que vous ne reviendrez sur cette note que quand vous auriez déjà fini avec le projet sur lequel vous travaillez. Et ce qui se passe en fait, le contraste avec cette technique, c'est qu'après avoir terminé avec ce projet, quand vous reprenez votre bloc-notes et que vous regardez votre note, vous vous dites finalement que cette note, elle n'en valait pas aussi la peine comme vous le pensiez au moment où l'idée, elle vous venait fraîchement par la tête. Donc la meilleure façon de faire pour gérer cette drogue des idées-là, ce flux d'idées, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle idée vous passe par la tête, pendant que vous êtes déjà en train de travailler un projet, prenez votre bloc-notes et notez tout de suite cette nouvelle idée et attendez jusqu'à la fin du projet pour revenir analyser, étudier cette idée. Et il y a de fortes chances que cette idée, en fin de compte, que vous ne la voyez plus comme avant et que vous puissiez même passer à une autre idée sans pour autant prendre en compte cette nouvelle idée qui vous est, que vous avez pu noter sur papier qui était aussi excitante pour vous. Alors, si cette vidéo d'aujourd'hui, elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et mettez-moi en commentaire comment vous appréhendez tout ça, comment vous gérez, comment ça se passe à votre niveau. Et surtout, si cette vidéo vous a inspiré ou vous a dit quelque chose ou vous pensez connaître quelqu'un qui vit cette situation, n'hésitez pas, partagez la vidéo et je vous donne rendez-vous le vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.